Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Nous voici dans la solennité de Saint-Sacrement, la fête et la grande fête de l'Église où Jésus lui-même s'offre à son peuple comme pain du salut. Et voilà, aujourd'hui, l'Église Notre Mère nous propose la méditation tirée de l'Évangile de Saint-Luc, chapitre 9, versets 11b jusqu'à 17. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Chapitre 9, versets 11b jusqu'à 17. Chers auditeurs, chères auditrices, voici notre moment de lectio divina, de la lecture priante de la Bible. Et cette lecture et prière est tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc, au chapitre 9, versets 11b à 17. Donc aujourd'hui, c'est la grande fête et apprêtons nos Bibles, apprêtons le cadre favorable pour qu'ensemble nous puissions méditer et prier avec la parole de Dieu. À présent, nous vous invitons, chers auditeurs, chères auditrices, à la lecture.
cette lecture tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11b à 17. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, du 9e chapitre, 11e au 17e verset. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver de vivre. Ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons. » À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout le peuple. Il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient, cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un moment de silence pour méditer cette parole. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu qui m'ôtesse donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers son peuple, le Seigneur prie des pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre âme. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. De l'immortesse en partageant, parce que la parole de Dieu, la Bible, c'est un livre communautaire pour la communauté et par la communauté. Partageons cette parole pour notre édification. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 16. Alors Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève le regard vers le ciel. Il prononce la bénédiction. Il rompt le pain et commence à en donner aux disciples pour qu'ils servent la foule. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous venons d'écouter la méditation d'aujourd'hui, suivie d'un moment de silence. Et après, c'était le partage. Maintenant, écoutons pour la deuxième fois
le même texte que l'Église nous propose pour la méditation. Donc l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 9, versets 11b à 17. Écoutons une fois de plus. Mais les foules, ayant compris, partirent à sa suite. Il leur fit bon accueil, leur parla du royaume de Dieu et rendit la santé à ceux qui avaient besoin de guérir. Les jours commença à baisser. S'approchant, les 12 lui dirent, « Renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et fermes d'alentour pour y trouver logis et provisions, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils dirent, « Nous n'avons plus de 5 pains et 2 poissons. À moins, peut-être, d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Car il y avait bien 5 000 hommes. Mais il dit à ses disciples, « Faites-les s'étendre par groupes d'une 50aine. » Ils agirent ainsi et les firent tous s'étendre. Prenant alors les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel et les bénit, les rompit et il les donnait aux disciples pour les servir à la foule. Ils mangèrent et furent tous rassasiés. Et ce qu'ils avaient eu de reste fut emporté, 12 couffins de morceaux. Encore un moment de silence, cette fois-ci pour méditer cette parole qui nous enseigne, qui nous interpelle, cette parole qui nous est adressée, cette parole qui nous donne un message particulier venant de la part de notre Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute. Par ton sang versé, tu laves nos péchés. Par ton cœur brisé, d'où jaillit le salut, tu nous as rachetés. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, il est bon. Ensemble, chers auditeurs, chères auditrices, nous pouvons maintenant partager cette parole, partager le message que le Seigneur nous donne, partager ce qui nous tient à cœur, partager ce qui nous interpelle. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Seigneur Jésus, tu es un modèle par excellence. Tu as plus prêché par les actes que par les paroles. En face de la foule, tu ne parlais que du royaume des cieux. Tu guérissais ceux qui en avaient besoin. Combien de fois je parle de toi et du royaume des cieux quand les amis viennent me visiter? Combien de fois je vole au secours des nécessiteux? Donne-moi, Seigneur, un cœur
et un esprit souple de parler de toi et du royaume de ton Père. Chaque fois que je suis entouré des amis et connaissances, et que je n'oublie jamais de ma vie, Seigneur, d'éveiller aux pauvres et aux nécessités. Alors Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les regards vers le ciel, il prononce la bénédiction, il rompt le pain et commence à en donner aux disciples pour qu'ils servent la foule. Jésus me donne un enseignement sur l'amour, rien que l'amour qui partage. Jésus m'apprend à partager. Partager quoi? Le peu que j'ai, la nourriture et la parole. Jésus est comparable à un chef de famille. Il a le souci des siens et des autres. Renvoyer les gens affamés? Non, partager le peu que j'ai par amour du prochain. Cette nourriture qu'il a partagée à la foule, c'est la même nourriture partagée le jeudi saint. Et pour moi, c'est la préfiguration du Saint-Sacrement, l'Eucharistie, que nous partageons aujourd'hui avec nos frères et sœurs catholiques du monde entier. Soyons le pain pour les autres, là où nous vivons, pour arriver à chercher l'unité dans l'humilité, la douceur et la patience. Adorer le Saint-Sacrement chaque fois que j'ai la possibilité de le faire. Voilà, nous venons de terminer notre deuxième étape de la lecture, méditation et partage. Maintenant, passons à la dernière phase qui commence une fois de plus par une lecture, le même texte, pour nous permettre cette fois-ci d'intérioriser au fond de nous-mêmes cette parole en vue de préparer une réponse au Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver de vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout le peuple. » Il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis, on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Gardons un moment de silence, un moment pour méditer. Quelle est la réponse qu'on peut donner à l'invitation du Seigneur? L'invitation tirée de cette méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 9, versets 11b à 17.
ces moments de silence, de méditation, d'écoute intérieure, le moment de partage de textes, partage de la parole. Maintenant, répondons au Seigneur par nos prières. Qu'est-ce que cette parole nous interpelle? En quoi pouvons-nous nous engager pour faire de cette parole une parole de vie? En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Seigneur Jésus, chaque fois que nous sommes avec les amis, nous semblons oublier de ta parole. Et je parle souvent de la politique, je parle souvent de l'argent. J'oublie que tu m'as donné un modèle unique de parler de ton royaume, d'aider ceux qui sont en besoin. Viens à mon secours, Seigneur, et apprends-moi à partager ta parole, à partager ce qui est à ma possession. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les regards vers le ciel, il prononce la bénédiction, il rompt le pain et commence à en donner aux disciples pour qu'ils servent la foule. Seigneur, par la consécration du Saint-Sacrement, je remets à mon Rédempteur la totalité de ma personne, mes sentiments intimes comme mes actions extérieures. Je m'engage à adorer le Saint-Sacrement tout au long de ma vie, à être chaque jour animé par un esprit de charité envers Dieu et mes frères et mes sœurs. Amen. Très heureux, chers auditeurs, chères auditrices, en cette solennité des Saints-Sacrements, l'Église Notre-Mère nous propose une méditation riche tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc, chapitre 9, versets 11b à 17. C'est le texte de la multiplication ou sur la multiplication de pain, où Jésus nourrit 5000 hommes à partir de 5 pains et 2 poissons. Comparativement à la manne du ciel de l'Ancien Testament, où tout était venu du ciel, dans le Nouveau Testament, voilà un berger, notre Seigneur Jésus-Christ, qui se montre une fois de plus serviteur. Celui-là qui sert son peuple. Il sert une foule de 5000 personnes à partir de ce que la foule possède, à partir de ce que nous possédons. Et de là, il donne un ordre à ses disciples qui voulaient bien que le peuple, la foule, retourne chez eux pour aller chercher à manger. Mais voilà, notre maître donne l'ordre aux foules de leur donner à manger, de les installer, pour dire que cet ordre devient un ordre missionnaire qui nous interpelle à partir de ce que nous avons reçu de Dieu, à partir de ce que nous avons. Disposons ça au Seigneur pour que le Seigneur puisse accomplir le miracle de multiplication, qui dirait mieux le miracle de partage, partage de vie, partage de sa parole, partage du salut, parce que Dieu veut nous sauver, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Le salut implique notre implication aussi. C'est comme ça que dans ce texte, ça nous interpelle de nous engager en apportant au Seigneur ce dont on dispose pour que le Seigneur, à son tour, par sa main puissante, puisse le multiplier, puisse accomplir un miracle, le miracle qui apporte le salut. Le miracle qui ne nourrit pas seulement le corps, mais le miracle qui nourrit surtout l'esprit, le spirituel. C'est pourquoi, par ce sacrifice du Saint-Sacrement, lui-même se donne à nous comme exemple d'amour pour que nous aussi, à notre tour, nous soyons à mesure de nous donner pour les autres, pour le salut des autres. Chers auditeurs, chères auditrices, ce texte est vraiment riche, comme je l'avais dit, riche en enseignement. Riche en enseignement parce que ici, nous voyons Dieu prendre soin de nous au moindre détail. Là où nous nous sommes limités, Dieu est capable de nous amener au-delà de nos limites pour que nous accédions au salut pour l'éternité. Ainsi, nous vous disons grand merci pour votre disponibilité,
disponibilité de méditer avec nous ce texte, disponibilité de participer dans cette émission. Au plateau, nous avons l'équipe habituelle composée de Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice chez les filles de Saint-Paul de la paroisse Saint-Michel. Moi, c'est Jean-Louis Camono, chrétien catholique de la paroisse du 20 mètres Massina sans fil. Et à la réalisation, nous avons Olivier Nguessi à la technique et la sœur Rita à la réalisation. Ainsi, nous vous souhaitons bon week-end de Saint-Sacrement avec les salutations fraternelles de votre animateur, Papa Paulin Zaboudi Tancel. Merci et à la prochaine. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.